Oui, moi j'ai fait l'IHEDN, monsieur. Et j'ai donné des cours à l'école de guerre. Donc j'aimerais un peu de respect de votre part, d'accord ? Le respect, c'est de laisser les gens parler. Ben oui, je suis là, je suis témoin, monsieur. Je suis désolé, vous exagérez. Je vais appeler BFM immédiatement, parce que je ne supporte pas l'injustice, monsieur. Ouais, vous avez super. Je vais appeler Julie Dubois, sinon je n'ai pas le numéro. Bien sûr. C'est pas un délinquant, c'est pas un fichier S radicalisé. Allez à Grigny, ils ont tout brûlé. Là, oui, vous pouvez faire du bon travail, mais pas là, il n'a rien fait, monsieur. La roue tourne dans la vie, vous inquiétez pas. Vous voulez m'aborquer, moi aussi? J'ai horreur de la vie. Très bien. Il n'y a pas de bravo, j'ai une horreur de l'injustice. Il n'a rien fait, ce garçon. Mais arrêtez, j'étais là, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Il avait sa jeune femme, il n'a rien fait. Mais c'est honteux. Moi, je suis en train d'arrêter Antoine Barlow. Il y a Philippe Devol qui essaie de... Non, c'est mon discours. Quoi qu'il arrive. C'est honteux. Vous voulez l'embarquer, vous voulez me faire plaisir, je vais faire plaisir aussi. Vous voulez l'embarquer, mais vous tenez des pour rien. Mais non, c'est pas incohérent, il a rien fait. Qui a dit qu'on allait l'embarquer? Mais si, vous avez dit, c'est mon client. Vous avez dit, c'est mon client. Non, j'appelle BFM. Il a rien fait. Il n'a rien fait, monsieur de Rugy n'a rien fait, monsieur Macron n'a rien fait, il a touché de l'argent public. Mais si, c'est ça le problème du pays. Bonne soirée, monsieur. Merci, c'est bon, c'est réglé. Merci, monsieur. Merci à vous. C'est réglé. Moi, j'arrête. J'arrête. Vous tenez des propos totalement incohérents. Je suis incohérent, monsieur, tout à fait. Je l'accepte, avec plaisir. C'est libre. Ah oui. Trop subtil, ouais, c'est ça. Viens à moi, Hervé. Ouais, Hervé. Allez, viens. Bon, attends, j'ai demandé l'autre. De rien. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Philippe. Prenez mon numéro. Maître de vol. Bon, on va péter la gueule à John. Ouais, en plus, il y a une casquette de merde. Ce matin, il était avec Eric, ils l'ont pas rattrapé. T'es juste là déjà. Hervé, qu'est-ce qu'on dit à Philippe? On dit c'est un grand monsieur. Allez, voilà. Bravo, Philippe. Il les a. Bon. Les jetons, les chocages. Voilà. Et ils ont lâché le contrôle. Voilà, ça c'est fait.